Salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler d'une petite application pour iPhone qui s'appelle Concerts et Festivals. Concerts et Festivals, c'est une petite appli toute simple, si je puis dire, mais c'est comme la plupart des applis excellentes et il fallait avoir l'idée. C'est un développeur de Grenoble qui fait cette petite application, qui m'a envoyé un petit mail l'autre jour. Ouais, bonjour monsieur, alors le monsieur déjà c'est réglé. Bref, pour faire un petit peu la pub de sa petite appli, il a eu raison puisque c'est un très bon point. Alors cette petite appli, pourquoi j'en parle aujourd'hui, si vous faites des applis, m'envoyez pas des mails, ça marche pas à tous les coups, stop. Il a eu le bon goût de mettre donc Concerts et Festivals. D'abord je vous explique à quoi ça sert, c'est une petite appli qui va vous permettre de trouver par type, par lieu, par ce que vous voulez en fait plus ou moins, des concerts et des festivals, en espérant que le pluriel existe, en fonction mais donc du type que vous recherchez. Ou du lieu où vous habitez. Donc concert et festival, je viens de me lever, c'est très dur pour moi aussi. Concert et festival coûte 79 centimes, à mon sens elle les vaut, puisque si vous claquez 40 euros dans une place derrière, bon, c'est peut-être assez intéressant de savoir d'avoir un peu plus de détails sur le concert. Concert et festival, donc disais-je, il a eu le bon goût de mettre en démo la région Midi-Pyrénées. Je me suis dit ah, il pense à nous. Donc voilà, alors je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. On va lancer Concert et Festival. Puis je vais laisser le téléphone comme ça. Et vous voyez qu'au fond il y a de la lumière parce qu'en même temps je fais un magie. Je suis très multitâche comme mec. Donc localisation, vous lui dites que vous voulez qu'il vous localise. Vous donnez les filtres, pardon. 3 prochains jours, 1 semaine, 2 semaines. Quel style de zik que vous kiffez. Ok. Et lui dans localisation, donc il va vous afficher les concerts correspondants en Isère. Donc en fait tout ce qui se passe en Isère plus ou moins. Vous pouvez lui donner par lieu, par département, par région, par ville. On va aller dans région Midi-Pyrénées évidemment. Hein. Hop, clac, on va faire chercher. Et il va nous toper tous les concerts qu'il va y avoir à Midi-Pyrénées. Papapapapam. Les festivals, etc. Donc vous voyez qu'il y a les prix d'indiquer. Si vous cliquez dessus, vous avez un peu plus d'infos. Vous pouvez voir, avoir des renseignements sur les personnes, etc. Ben là, c'est plus réservable évidemment. Vous pouvez le tweeter, avoir un itinéraire, un mail. L'appli, comme je vous dis, est très simple, mais très bien faite à mon goût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fioritures excessives par rapport à ça. Peut-être modifier l'interface un petit peu quand il y a des vides comme ça, c'est peut-être pas terrible, mais bon, c'est du détail. Rechercher par nom. Si par exemple, il me semble qu'il y a Anthony B en concert quelque part à Bayonne ou Biarritz, je sais plus trop quoi. Donc vous lui tapez Anthony B, voilà, et il sera donc à Fouras, à Saint-Nazaire, à Saint-Nary-sur-Mer, au Gros-du-Roi, à Soustom, voilà, c'est celui-là. Et normalement, à cette occasion-là, il devrait y avoir une petite intro sympa pour Locan.fr. Et dans favoris, vous mettez ce que vous voulez dans les favoris, tout simplement. Donc vous voyez, c'est une appli super simple. Vous pouvez les classer par style, métal, électro, rap, soul, classique DJ, spécial musical, machin, ceci, cela. Donc on va mettre reggae, world, généralement zouk rap, zouk raga, c'est plus dans world. Chercher. Taran, taran, taran. En fait, vous voyez pas les trucs d'en dessous parce que j'ai super mal cadré. Donc voilà, là ça mouline. Alors voilà, monsieur le développeur, ce qu'il supporterait, c'est que la petite roue qui mouline, elle soit avec un contraste un petit peu plus fort. Et donc voilà, vous avez David Kilembe, etc. Et avec les tarifs pour les petites places. Voilà, donc comme je vous dis, une application très simple qui coûte 79 centimes sur le store France. Donc si vous faites souvent des concerts, des festivals, etc., que vous aimez bien bouger, elle peut être utile. Elle est même indispensable, a fortiori. Et c'est tout. Un grand merci au développeur m'avoir envoyé ce petit mail pour me faire découvrir son application. C'est bien d'oser écrire aux gens. Et merci à lui donc de coder cette petite appli très sympathique. C'est tout ce que j'avais à vous dire, plus ou moins. Moi je suis claqué, j'ai mangé un bout et puis après je vais changer des cylindres d'une moto avec un copain. Génial! C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao!